Bonjour à tous. Bon, pour ceux qui ne la connaissaient pas, c'est une 405 GRX4. Et comme tu peux voir ici, il y a écrit X4 pour 4 euros motrice. Cette 405, c'est une version 4x4. La GR, si tu veux, c'est le plus bas de gamme dans les séries 405. Si tu veux, il n'y a pas beaucoup d'options. Pour te donner un ordre d'idée, il n'y a pas de vitre électrique dessus. Voilà, c'est la plus bas de gamme. Mais par contre, c'est un moteur 1 litre 9 dessus. Et la particularité, c'est que c'est une 4x4. Elle présente super bien. Peinture un petit peu fanée, elle est de 1989 et 140 000 km. J'ai fait beaucoup de réparations dessus. Elle tourne. Elle vient de passer au contrôle technique. Et là, c'est la fin. Oui, c'est la fin de la 405. Elle part à la poubelle. Il n'y a pas d'autre solution. Pourquoi ? Parce qu'elle est rouillée. Hop là. Bon, comme tu vas pouvoir voir dessous, tu vois, alors tout ça là-haut, c'était blacksonné. Hein. Donc tu vois là, c'est correct. Encore, c'est pas. Voilà, il n'y a rien de fou quoi. Hein. Bon, là, c'est le. Hop, la tâche remorque. Donc ouais, il est un petit peu rouillé, mais bon, il n'y a rien de fou si tu veux. Tu vois, les supports ici, là, c'était de la rouille superficielle qui allait dessus. C'est rien. Là-bas, tu vois, c'est pareil, rouille superficielle. Mais quand tu recommences à regarder là, hein, ici, là, on attaque la structure, si tu veux, de la voiture. Et tu vois, l'ancien propriétaire, il a mis du blackson dessus. Il a fait quoi sous le blackson. Hop. Tu vois, quand tu grattes à l'intérieur, il y a toute la rouille qui se casse. Là, tu vois, ici, ça a commencé à percer, tu vois. Bon, ça, c'est hier au contrôle technique avec le pote, on a tapé dedans pour voir si c'était vraiment troué. Normalement, au contrôle technique, ils n'ont pas le droit de foutre des coups de tournevis dans le châssis pour voir si c'est rouillé ou pas. Ils peuvent que contrôler visuellement. Donc, moi, comme c'est un pote, j'ai dit, écoute, on va taper dedans et on va regarder. Et effectivement, tu vois, c'est rouillé. Bon, il n'y a pas que ici. Et là aussi, sur le train avant, là-bas devant. Bon, je ne te montrerai pas parce que la voiture est vachement basse et j'y ai pas accès facilement. Voilà. Mais ici, tu vois bien le dégât que ça a fait. Et en fin de compte, toute cette merde, alors ça y était un petit peu déjà, mais il y a 2 ans, c'était rattrapable. Donc tu vois, c'est le longeron, hein, ça part là, ça continue sur l'avant, machin, bon, c'est toute la caisse. Comme tu peux voir là, il y a encore la trace de la 405 qui était posée ici. Bon, bien humide et plein d'herbes, forcément. Et je l'ai entreposé là. En attendant de la réparer, il y a 2 ans. Et si tu veux, comme elle avait le train arrière complètement en bas, non mais pousse-toi la petite, train arrière complètement en bas, la suspension hydraulique ne fonctionnait plus à cette époque. Si tu veux, j'avais l'aile ici, là, elle était ici. Donc tu comprends bien que tout ça, c'était par terre. Donc quand moi je l'ai acheté, elle avait été blacksonnée dessous. Donc il y avait de la rouille entre le blackson et le machin. Mais ça allait encore. C'était rattrapable, on va dire, à cette époque-là. Bon, ben là, allez, tiens, encore un gros. Et là, 2 ans dans l'herbe, ben, ça a fini de la tuer. Bon, hormis le fait, si tu veux, qu'elle parte à la casse, ben moi, j'y perds des plumes. Pour te donner les chiffres que j'ai investis dedans, bah oui, parce que si tu veux, c'est pas gratuit tout. Hein. Les pièces et tout, c'est pas gratuit. J'avais fait déjà une vidéo explicative de tout ce que j'avais changé et tout, mais pour simplifier, tout le train arrière, enfin, une grosse partie du train arrière avait été changée, certaines pièces, dont un capteur spécifique qui permet de la faire baisser, de la faire descendre et monter, qui lui coûte une blinde, c'est 400 euros, juste ça. C'est la partie moteur. Bon, on y avait fait 2-3 trucs, 2-3 machins, rien de fou. Hein. Mais par contre, il y avait un truc qui avait été fait et qui coûte une blinde aussi. Regarde. Carburateur Solex, tout neuf. Avec, dessus, ici, là, hop, tu le vois, starter manuel. Pas comme les autres. Qui ont les capsules machin et que le starter il ne fonctionne plus. Ouais. Elle a eu droit aussi
aux 4 jantes de 405 2016 avec 4,9 tonnes. Il y a des sous qui ont été dépensés dessus. Entre l'achat, les pièces, plaquettes, disques, avant, arrière, neuf, étrier de frein arrière, neuf, durite de frein arrière, neuf, cap de frein à main, neuf, garniture de frein, neuf. Et juste avant de la passer au contrôle technique, j'avais fait vidange moteur, j'avais fait liquide de refroidissement. Bon, bref. Bref. Alors je perds des sous et j'ai perdu beaucoup de temps. Merde. Tiens. Allez. Ah, le moteur 140 000. Tac. Sans starter. Tiens, clignotant. Putain de merde, va. Bon, maintenant t'es en train de te dire, ben ouais, mais on peut réparer. Oui, on peut réparer. Oui, on peut. Elle est réparable. Je peux la réparer. Faut tomber tout, mettre la caisse à nu et tout refaire les dessous des longerons qui sont morts. Voilà, je pense que j'ai tout résumé à une seule phrase. Économiquement parlant, ce n'est pas réparable. C'est une voiture, même si elle est dans un état concours, machine, tout ce que tu veux, ça se vendrait dans les 3500, allez, le grand maximum, peut-être 4000 euros. Peut-être, parce que tu tombes sur un amoureux qui veut la retrouver dans l'état d'origine, tatati, tatata, voilà, et presque neuve. Mais il y a pour plus de 4000 euros de réparation dessus. Entre le temps, pour tout tomber, le temps plus le matériel pour refaire toutes les parties rouillées, changer, bah oui, parce que là quand tu vas commencer à démonter les vis, les machins, il y a des trucs qui vont casser, racheter toutes les pièces qui vont devoir aller pour la remettre nickel, on est à plus de 4000 euros. Je suis déjà à pratiquement 2000 passés. J'ai déjà perdu 2000 euros. Je vais pas reperdre encore 4000. Il faut arrêter les conneries. Je peux pas. Financièrement, c'est pas réparable. Enfin, c'est pas intéressant. Alors, quoi faire? Même moi, je le sais pas. Bon, de toute façon, il faudra bien prendre une décision pour récupérer deux ronds. Pour entrer un petit peu dans mes frais. Bon, en tout état de cause, c'est la fin de la 405. Tu veux monter, toi? Tu veux monter? Dans le coffre. Tu viens dans le coffre? Tiens. Tu vas faire un tour de 405. Hop. Voilà. Allez, on va la ranger. Tu bouges pas, tu restes là, poupette. Ah ouais, t'es descendu. Hé, vite. Non. Non, tu mords pas les pneus. La petite LED. Ouais, parce que ça, c'est sa spécialité de mordre les pneus. Non. Tony, sort. C'est comme ça. Tu vois, même moi, ça m'arrive de faire des erreurs. Donc, une erreur m'a coûté la 405 qui part à la poubelle, entre guillemets, ouais, enfin. Elle va plus sur la route. Voilà, c'est fini. Elle va plus sur la route. C'est terminé. Donc pour moi, à titre perso, perte d'argent que j'aurais pu réinvestir dans la BM qui est là, ou dans le Jeep qui est là, ou dans le Pinsgoer qui est là. Voilà. Là, tu vois, si je m'écoute, je la prends, je la disque en 50 morceaux.
Allez, on laisse tomber.